Au début, j'ai pas voulu rentrer là-dedans, moi. Tu merde, c'est la mort, là. J'ai un homme. Mais pourquoi tu l'as fait quand même? Hein? Pourquoi tu y allais quand même? Je vais aller quand même. Pourquoi? C'est pour nourrir ma famille. On est venu à Zagora, il n'y a rien de quelques dates, et c'est tout. Les mineurs marocains, ils descendent au matin. Et si c'est dans le nord, il fait noir, à 5 heures, il fait noir. Donc on vit le noir, on n'a jamais vu la lune ni les étoiles. Pas de sommeil jusqu'à maintenant, je dors que 2 heures par jour parce que j'ai travaillé 15 ans la nuit. On est où? On est à Fouskat, Maroc. C'est là où j'ai travaillé depuis le 9 octobre 1974. Voilà, tournez, vous voyez le terrain. C'est nous qui montons les cailloux là-bas, ceux de là-bas. C'est les terrains de Fouskat, Maroc. On appelle Fouskat, Maroc parce qu'il est habité le quartier avec les Marocains. C'est ici. Non. Ici, il y a la mine en dessous. On est au tournant des années 70 et la France a besoin de main-d'œuvre pour le charbon. Plus personne ne veut travailler dans le charbon. On sait de toute façon que c'est plus rentable et qu'il faut préparer la reconversion et la fermeture des mines. Et pour faire ce travail-là, la France, les houillères donc, qui est un état public, va faire appel à une main-d'œuvre flexible, donc des hommes du sud du Maroc, pour préparer la reconversion des autres nationalités. Un des critères de sélection était de ne pas savoir parler ni lire français, parce qu'il fallait surtout pas s'intégrer. J'ai au moins regardé dans le blanc des yeux 1 million d'ouvriers marocains, 1 million de candidats, pardon, hein, de garçons qui se présentaient. Ben, c'était du muscle, hein, puisqu'il n'y avait pas d'identité, il n'y avait pas d'entretien, c'était pas le but recherché, c'était du muscle. Donc ils ont dit, on va ramener les gens qui savent prendre et écrire pour travailler. C'est tout, travail, la maison. Ils ne sont pas vraiment intégrés à la population locale. Pourtant, ils sont ici depuis plusieurs années. Vivant entre eux, à 4 ou 6 par logement, ils n'ont pas réellement appris le français. Quand j'arrivais tout seul, on habitait dans les baraquements à Fouskat, Maroc. On habitait à 6 personnes de la même baraque. Et quand j'ai vu ça, c'est de l'enfer. J'ai dit au patron, alors, mais quand je retourne, et voilà, ça m'a fait peur quand même. C'est l'enfer. Il y a le montant devant, il y a derrière. Et si tu fais pas attention, regarde, j'ai les traces de charbon de mes mains là. Voilà, regarde. Ça, c'est la lampe que je mets. Tu les mineurs, ils mettent lampe là, contre le grison. Quand la flamme s'éteint, il faut que tu te sauves. Parce que si c'est deux, tu vas mourir. Ça, c'est avec ça qu'on travaille. Tu tapes avec la massette, tu lèves, et tu mets un semelon en bois pour tenir la montagne. Pour tenir la toiture de montagne. On monte noir. Mais il y a un amour entre les ouvriers, polonais, jazéens, français, chacun lave le dos de l'autre. On était à 3000 mineurs ici, c'est pas un. Voilà, chacun lave l'autre, après on met notre serviette, après on rentre. C'était pas des gens qui n'avaient rien, au contraire, ce sont des agriculteurs, ils avaient des terres, ils étaient propriétaires terriens, et quand ils sont arrivés, ça a été un déclassement social pour eux. Tout le monde avait le statut de mineur, les Algériens, les Français bien sûr, les Polonais, enfin tout le monde, nous. Sauf les Marocains. On est arrivé ici, on habitait dans des camps de célibataires, tout ça, le salaire il est pas bien, on gagne pas grand chose, donc on n'a pas de statut de mineur. Et la grève, elle est commencée à l'Alsace. Ils sont venus me voir à ma maison, ils ont dit, nous on a fait la grève, on n'est pas nombreux, c'est à vous de lutter pour qu'on va avoir un statut de mineur. J'ai dit, nous, allez, la grève jusqu'à qu'on on obtient... Pourquoi le but de la grève? C'est pour avoir un statut de mineur, on ne l'a pas. Et après, là, ouais. En 80, on a fait la grève, on a obtenu le statut de mineur. C'est cette lettre des houillères qui a mis le feu aux poudres. Le 31 décembre prochain, la fosse 3 de Courrières fermera. Les mineurs ont le choix entre deux formules. La première, retourner au pays avec un capital qui varie selon les cas entre 136 et 270 000 francs. La seconde, un emploi de conversion avec la possibilité d'une formation.